as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. Suffering will be legendary even in hell. Yeah, your suffering will be legendary even in hell. Bon, il est minuit, hein. C'est l'heure de streamer Visage, la partie 2.
Oh merde. Le jeu est pas prêt. Mon Dieu. Non, maintenant le son est bon. Comment ça se fait que... Comment se fait-ce que j'ai pas le bon écran? Je vais sur Esc. Est-ce que c'est bon maintenant? Attendez. C'est les aléas de... Non. Ah parce que je suis pas sur le bon... Je suis pas sur le... Je suis pas sur le bon... Je suis pas sur le bon écran. Voilà, regardez ça. Game capture. Je vais sur jeu. Et je change d'écran. Et voilà. C'est parfait. Et je le mets évidemment à la bonne taille. Adapté à l'écran. Et voilà. Et voilà, c'est bon. Et voilà, on y est. Donc, visage, hein, partie 2. Hier, on avait bien flippé. À Marseille, on est déjà dans la merde. Pourquoi? Déjà, il est où mon briquet? Voilà. Bon, ça commence bien. Alors, je sais plus du tout où on en est, de quoi, de caisse d'où. Tout à l'heure, quand j'ai lancé le truc. Bon, là, il y a du Zippo. Ah oui, bon, déjà, on va aller à la lumière. Hein, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Et on éteint ça. Ah oui, voilà, il y avait la voiture. Voilà, je me souviens maintenant. Oh putain. Essayer de se mettre en condition. Il y avait la voiture. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? On a de la cassette, on a de la clé. On a du petit crochet. Sinon, on a deux hippos, on a de l'ampoule et on a du médoc. Ok. Et on a du gamin qui chiale, évidemment. Sinon, ça serait pas amusant. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Je sais pas si j'ai mis le son du jeu. Attention, votre santé mentale est dangereusement basse. Oui, bah, je vais me prendre un médoc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va mieux là? On va se faire un petit F5. Un petit F5 de sauvegarde du pauvre. Et on se remet le briquet. Voilà. Bon, on prend notre courage à deux couilles. Mais attendez, il y a un bouton là. Eh ben voilà! Qu'est-ce que de quoi, de caisse? Évidemment, il suffisait d'allumer. Dites-moi sur le chat si le son du jeu est... Bon là, il y a une ampoule. Donc, qui dit ampoule dit interrupteur. Hein. Parce que moi, j'ai le son qui est vraiment très fort. Et je me demande si ça serait pas mieux que je le mette un peu plus fort, le son du jeu. Étant donné que ma voix a l'air d'être forte. Je vais faire ça vite fait. Hop. Je passe là-dessus et je vais mettre le son du jeu tout petit peu plus fort. Voilà. Voilà, normalement là on devrait être mieux. Alors évidemment mon personnage s'est baissé comme un con. Je vais pas me refaire avoir. Tout à l'heure, la dernière partie, j'avais passé une partie du temps allongé. Parce qu'en fait le clic gauche de ma souris, ça fait baisser le personnage. Me demandez pas pourquoi. Hein, ça a été paramétré comme ça pour me faire chier évidemment. Bon, là on pourra mettre une bougie. On va ouvrir. Non, 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 non. Quoi? Non, non, non. Attendez, il est là. Non, mais ça, c'est dégueulasse. Allez, j'ouvre la porte. Allez, 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 ouvre-toi. Ah oui, je me souviens, la tripaille, la tripaille. Me souviens maintenant. Me souviens, la tripaille. On en était là, on en était là. On était sur... Sur tout ce qui était tripaille. Mon Dieu, mais c'est quoi ce truc-là? Ah oui! On va descendre par là? Il est sérieux?
Ah oui, on descend carrément quoi. Bon, on le fait à la main quoi. Oh là 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 là, je fais une petite sauvegarde. J'espère que vous êtes en condition. Moi je le suis. Hein. Là on peut se baisser évidemment. On peut passer par là. Y a rien. Y a que dalle. On pourra s'y cacher peut-être. À noter. On est toujours allongé là? Ouais. Bon. Bon, faut pas être grand clair pour comprendre qu'il faut se foutre là. Avec mon ampoule, j'ai l'air d'un con, hein. Qu'est-ce que c'est que ces petits miroirs? Alors là, mes objets sont rentrés dans l'inventaire d'eux-mêmes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Oui, mais c'est pas qu'une impression. Non, non, mais pas moyen semble-t-il d'allumer pour l'instant. Bon, d'accord. Mais après. Il faut péter les miroirs. On peut se servir de ça? Non, on peut pas l'utiliser ici. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'on entend? Bon, il y a rien d'autre, on est bien d'accord. Hein. De toute façon, on peut pas allumer le briquet. On peut rentrer? Non. Il y en a peut-être un qui est différent des autres. Les deux là, c'est les mêmes. Hein. Ils ont tous des taches. Ils ont tous des taches. On peut pas allumer, mais du coup, moi je veux bien, hein. Mais ça m'arrange pas. Non, c'est exactement les mêmes, y a aucune interaction possible. Celui-là il est un petit peu plus balafré que les autres. Enfin balafré. Bon les bruits c'est pour nous faire peur. Ça marche plus. Hein. Ça marche pas sur nous ça. Là par contre je vois pas ce qu'il faut faire. Bon au niveau de ma santé. Putain mais le son est quand même super bien branlé. Je sais pas si ça le fait vous, mais moi au casque, c'est dément. L'ambiance est bonne. Je vois pas ce que je pourrais faire. Qu'est-ce que le jeu me demande? Si je me barre, ça fait. Moyen semble-t-il, oui voilà. Non, 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 il y a un truc à faire avec ces putains de miroirs. Enfin, pardon, avec ces coquins de miroirs. On n'a pas dit putain. On a dit quelque chose qui ressemblait, mais revenez en arrière dans la vidéo, vous verrez que c'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est pas exactement ça que j'avais dit. Non, non, non. On va pas de copains, hein, si tout déjà on m'accuse de. Oh putain, mais regardez.
Hey, je suis pas fou là, il y a quelqu'un dans le miroir. Vous avez vu là? De quoi? Ah, l'idée est bonne hein, quand même. L'idée est pas mal. En plus, je suis collé à l'écran. Il faut essayer de la choper. Parce que c'est une femme, hein. Elle s'est pendue. Si elle s'est pas pendue, elle le fait drôlement bien. Hein. Non, non, non. Il y a un petit côté contemplatif hein, dans le jeu. Par contre, si on regarde là, on la voit plus. Hein. Bon déjà ça fait déjà deux personnages qu'on voit, à mon avis c'est des triggers, il faut les voir chacun à leur tour. On a vu une vieille, on a vu une nana pendue. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se pointer dans mon dos, c'est dramatique. C'est dramatique. Non mais là il n'y a personne. Ah bah là oui il y a quelqu'un. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu veux? T'es qui toi? T'es vieille hein déjà. On t'a vu la vieille. Qu'est-ce que tu veux nous dire la vieille? Quel est ton terrible secret? Tu veux un coup d'ampoule? Non, on va continuer à tourner. À chaque fois, on voit quelque chose de différent. C'est curieux, hein, quand même. Hein. C'est quand même curieux, cette histoire. Mais... c'est ce miroir-là, à chaque fois. Hein. Il est brisé, hein. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire qui pourrait m'aider? Je peux pas utiliser ça ici. Même si je me colle au miroir là, tu veux pas le péter un peu là? Ça m'arrangerait. Ah, j'ai examiné. Ah non, mais c'est pour examiner mes objets. Oui voilà, c'est pour examiner mes objets, ça on s'en fout, moi je vais examiner le miroir. Et si je zoome, zoom c'était quoi déjà? Non ça c'est, je crois que c'était B. Et alors c'est un zoom qui est très particulier, hein. Ça zoome et ça revient aussitôt, hein. C'est, t'as intérêt à te manier le cul quoi. Non je vois pas ce qu'il faut faire. Si quelqu'un a une idée sur le chat, ça m'intéresserait. Parce qu'on a bien vu, hein, c'est celui qui est fendillé là. Hein. Je veux bien partir dans l'autre sens, mais ça rime à rien. On a vu une nana pendue, on a vu une nana se balader. Après, elle est encore là. Faut aller par là. Tu les jetons. Alors vraiment. Mais attendez pas. T'es pas prêt. Vous savez ce qu'on va faire déjà? On va retirer les sous-titres. Ah bah non, on en a besoin. On a besoin parce que le jeu est en anglais.
child. Ah, tu comptes ramener ton gosse? Oh là là là. Bon, il y a déjà eu une sauvegarde de fête, mais alors là... Non, là, j'ai le son à fond dans le casque. Pouh, loulou. Faut pas me faire ça tous les jours. Hein. Ça, c'est con quand c'est marqué respiration. Putain. Bring me my child. Ah, on est revenu à... Ah, oui, je reconnais la pièce, là. Sauf que tout est pété, maintenant. Ça s'est cassé la gueule, ça. Bring me my child. Bring me my child. Oui, Dolores, on va te ramener ton gamin. Quoi, ça? Non mais moi je veux pas allumer. Bon, on se casse. Et là on peut pas allumer? Non, bien sûr que non. Ce serait trop simple. On est dans une autre partie de la maison? Non, on est dans exactement au même endroit. Oh là là. Donc il faut qu'on lui ramène son enfant. Ah, ça y est, tout part en couille là. Ah, maintenant on peut passer par là direct. Ah bah bravo. Des bougies peuvent être placées ici. Oui, non mais je sais, mais moi je... Votre inventaire est plein. Oui, bah on va le vider. Déjà on va... Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, j'ai pris un briquet en plus. Non, mais moi je veux pas un briquet en plus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, je veux lâcher. Voilà, je veux lâcher ça, moi. Voilà, et je veux prendre la médoc. Excusez-moi, hein, je... Voilà. Et je change de main. Excusez-moi, hein, je stream depuis un mois, je suis autiste et je joue jamais au clavier. Bon, là déjà on est bien, là on a bien progressé. Bon voilà, c'est la fin de la partie... la partie 2. Bring me my child. C'est la voiture qui était dans l'entrée là. Dans le garage, pardon. Espèce de maillet là. Pourquoi il met si longtemps à l'ouvrir? À le prendre, pardon. On se lève et on prend le maillet. Mon inventaire dynamique est déjà plein. On jette un zippo. C'est bon, on l'a lâché là. Et bon, ça me rend dingue le... Ah. Attention, le jeu n'a pas pu effectuer de sauvegarde automatique, sauvegarder manuellement au besoin. Ah,
Voilà, c'est bon. On peut pas l'arrêter la... Ça me rend dingue. Voilà, on a arrêté ça. Merci. Il fait tout super lentement, hein, c'est... particulier, quoi. Allez. Est-ce qu'on peut ouvrir la boîte à gants? Non. Regarde s'il n'y a pas autre chose. Pendant qu'on est là. On se casse. Bon, on se refait une sauvegarde du pauvre. On a maillé maintenant. Quoi, il veut pas que je passe? Ah, j'ai eu peur. Ouais, d'accord, bravo. Ici on peut mettre... Ah, oh là, oh là, oh là, oh là. Oui, oui, je sais, je suis au courant. Au courant, c'est bon. Bon, on a un maillet. Ça nous servir, mais on en a un. En plus, j'ai mis le son du jeu là, dans le casque à fond. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'emmerdes la porte? Bon, les tableaux de Carla Bruni, on n'a pas le temps de les regarder là. Je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'il me dit? Va les péter ça? Le téléphone qui bip. On peut repasser là? Ah mais oui, mais complètement. Puis la lumière est revenue. Il y a encore la... Vos mains sont pleines. Quoi, il faut poser les trucs par terre? Non mais Bon allez hop. Moi, je veux bien hein. Hop. Allô? Allô, Tata Louise? C'est Jean-Guy. Bon, d'accord. Bon, ok. Moi, je reprends vite le maillet. Ça vous dérange pas? Bah, déjà, on reprend les médocs. Oui, on change de main. Et on reprend ça. Pourquoi je me sens bien plus à l'aise quand j'ai le maillet? Le maillet qui va nous servir à péter un truc, hein, c'est une certitude. Ah non, c'était là. Mais ça ressemble drôlement où on était tout à l'heure. Dans une version dégueu. Avec la petite Bring me my child. Interagir. Ça ressemble à un genre de présentoir, il n'y a rien dessus. On peut pas poser le maillet? Bon, ils ont prévenu que c'était un jeu difficile, hein. Dans le sens où fallait se prendre. Enfin, faut chercher quoi. On peut l'ouvrir, ça y est. Bon. On se prend... Ah ça y est, j'ai compris qu'on pouvait prendre le Zippo. Et l'échanger avec quelque chose d'autre. On fait des progrès.
déjà venu là? Non, je sais plus. Oh là là. Ah putain, on a fait le tour. Bravo. Oui, 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 on se dépêche. Attendez, attendez, attendez. Déjà, qui c'est qui a pété la voiture hein? C'est pas une bonne idée. Hein. Examiner. Quoi ça? Voilà, on se casse. Il n'y a rien pour nous par ici. Il n'y a que diablerie. C'est juste... Oh là 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 là. Va l'ouvrir. Non mais vraiment avec le sang à fond là, je suis pas le malin quoi. C'est cette musique qui ne s'arrête jamais. Attendez, je prends des médocs. Votre perte est maintenant inévitable. Chargez la dernière sauvegarde automatique. La vieille m'a tué. Putain, mais ça m'a foutu les jetons. Je pensais pas qu'un jour vous pouvez me foutre encore les jetons. Vachement bien foutu. Surtout au casque là, comme ça. C'est terrible. Par contre, les taux de chargement sont un peu longs. Mais c'est bien, ça le permet de souffler, de fumer un peu. Là, non, mais là, tout à l'heure, j'ai vraiment les jetons. Et là, tout de suite, pas fait le malin là. Là, Romain, elle a pas fait le malin. Donc faut éviter d'aller vers la porte. Hein. Donc là on est remonté. Heureusement que je sauvegarde toutes les deux secondes. Ah mais maintenant ça sonne à la porte. Ah. Ah putain, il y a la vieille. On se casse. On refait une sauvegarde ici. On se souvient qu'elle nous a dit de lui ramener son gosse. Hein. Il y avait la vieille à la porte, c'est elle qui nous a tués. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette baraque? Jésus, là, tu... Jésus. Jésus.
Aide-nous. Moi j'ai un maillet, le maillet il va me servir à péter un truc, je sais pas quoi. Ah ça cache tonne, hein. Ah ça. Non, ça on laisse allumer. On laisse tout allumer, bien sûr. Qu'est-ce qu'on entend là? On peut pas péter ça? Vous devez porter cet objet à deux mains pour l'utiliser. Ah d'accord, attendez. Je lâche le maillet. Je lâche mes médocs. Ah non, le maillet, je dois le porter à deux mains pour l'utiliser. Faut tout péter. Faut péter faut péter ça. Voilà. Alors, qui le patron là? Ah, je me doutais bien qu'il fallait péter des miroirs. Oh là là. Allez, on y va. J'aimerais bien regarder où je vais. Oh putain. On va prendre le briquet. Pas moyen de semble-t-il de l'allumer pour l'instant. Fait vraiment plaisir. C'est quoi ça? Où sommes-nous? Vous avez vu comme c'est joli ça par contre? On dirait du Beksinski. Remettre. Ah oh, ça me plaît hein. Le jeu me plaît hein. Il y a un côté Lovecraft là. Que j'aime beaucoup. Votre inventaire est plein. Ah, je dois... Oui, ok, faut que je lâche le... Ok. Ok. Ah bah, c'est un jeu. Pour mettre... Attends, je comprends pas. Là, on a le tableau, ok. Ah oui, faut peut-être remettre tous les... Faut mettre les mêmes... Faut peut-être mettre les mêmes. Là, c'est que des visages. Il y a un jeu. J'ai mal au dos. Alors, je sais plus ce que j'ai pris. Là, c'était la nana qui pointe du doigt. Là, c'est un visage. Là, c'est nana qui pointe du doigt. Et là, c'est nana qui pointe du doigt. Oh non, mais bon, il y a 15 milliards de possibilités là. Je veux bien être gentil, mais... c'est sans fin, là. À moins qu'ils nous demandent juste de les raccrocher, mais j'y crois pas une seconde. Rien ne se passe, il semble y avoir un motif, mais rien de... Mais rien dans cette pièce ne semble aider. Non, non, mais il faut qu'on se fasse aider par quelque chose. Là, on n'a pas de...
Il faut qu'on ait un modèle, faut, enfin, je veux dire, là, on peut pas, on peut, il y a 3 milliards de possibilités, c'est pas possible. Je viens de gentil, mais... Attendez, hop. Je me mets bien, hein. On se met comme là. On se met bien. Non, 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 là, il y a trop de possibilités. On va revenir. Je fais une petite sauvegarde. Par contre, mes médocs, je les ai foutus où? Avant de péter le tableau. Là. Enfin, c'est pas mes médocs, c'est mon briquet. On se souvient qu'il y a ça ici. On reviendra. On va aller péter d'autres trucs. Ah, mais voilà. Deux visages. Une nana qui tend le bras, déjà. Regardez. Deux visages. Lui, on l'enlève. Ah putain. Tu m'emmerdes. Hein. Voilà. Deux visages, une nana qui tend le bras. Ah putain. Viens là. Putain, mais. Faut être gentil, mais faut pas. Comment on fait pour le foutre par terre? Voilà. Une nana qui tend le bras. Allez, viens là. On est bien d'accord, hein. Deux visages, une nana qui tend le bras. Attends, on retourne voir. Tiens, un modèle. Il y a forcément un modèle. Ah, on peut les prendre aussi. Faut mettre que des visages. On va passer 15 ans. Non, pardon. Putain, je vois plus rien. Avec le tableau, je vois rien. Et sur ce mur-là, on va mettre que les mecs. Putain. Allez, viens là, toi. C'est que j'ai foutu. Celui-là. Voilà. On va mettre que des visages là. On peut tenter, hein. Ça me paraîtrait la solution la plus simple, mais ça va nous prendre 1000 ans. Imaginez, il y a combien de tableaux là? Bah oui, mais il est où? On a perdu le tableau en route? Non. Merde. Il est où le tableau? C'est celui-là? Non, évidemment que c'est pas celui-là. Oh, c'est trop facile. Non, mais il doit y avoir une indication quelque part. Il est où le tableau, putain? Ah, on l'a remis? Non, mais c'est pas possible. Ou alors je suis complètement con. Là, on a mis 4 trucs. 4 visages. Là, on va mettre des nanas qui souffrent. Mais ça se trouve, c'était celui-là. Hein. On en sait strictement que dalle. Allez, une petite nana qui souffre. À quoi ça ressemble? Ouais, c'est ça, c'est une petite nana qui souffre. On essaye ça, puis si on voit que ça donne rien. Non, puis en plus, il n'y en a pas de petite nana qui souffre. Vous savez quoi? On va aller autre part. Attends, on a laissé notre Zippo. Pas grave. On en trouvera un autre. Bon, il y a d'autres micros. Il y a d'autres miroirs. Hein.
Bon, on fait plus l'erreur d'aller là. On va aller péter celui-là. Nom de Dieu. Ah non, me faites pas le coup de truc d'interagir avec l'heure. Hein. Déjà que je sais plus lire l'heure. Il doit bien y avoir un motif. Qu'est-ce qu'il a dit? Putain, alors si c'est des trucs avec des tableaux et des et l'heure, on est dans la merde. Faites briquet. Ah mais y a rien. Ok. Comment on replace un objet dans l'inventaire? Par exemple, là. C'est complètement con de le lâcher pour le reprendre, quoi. Enfin. C'est une sorte de mist. Et quand je tourne les assiettes là, qu'est-ce qu'il a dit? Il doit y avoir une sorte de motif. Est-ce que ça tourne l'horloge de l'autre côté aussi? On est bien d'accord qu'il y a un lien entre les. Il doit bien y avoir un motif, mais rien ne semble l'indiquer. Ok. Bon. Pour l'instant, on a cassé deux trucs. On l'avait déjà ouvert ça. Oui, c'est une sorte de mist avec des énigmes, avec des... sauf qu'il y a des tableaux de Carla la Bruni partout quoi. Bon, ça on l'avait déjà vu que c'était ça on s'était déjà rendu compte que c'était que ça n'allait pas quoi. Enfin, je veux dire que c'était fermé. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les tableaux. Voilà l'étage. Phénomène paranormal de mes couilles. Ah, la petite chambre du gosse, là. Hein. Ah, allez, on va le péter, celui-là. Y a pas eu le bruit. Ça fait. Il s'est quand même fendillé, hein. On est bien d'accord. Putain, F5. Petit Jésus. Ah, mais là, regardez, il y a plein de. Oui, non, mais bon, c'est tous les mêmes. C'est même. Crois-tu qu'il y aurait quelqu'un sur le chat pour m'aider? Absolument pas. Les gens sont là que pour me voir chier dans mon froc. Ah,
Oh putain, j'ai eu peur, y'a ma femme qui s'est levée. Du coup, j'ai plus de briquet, j'ai plus rien. Évidemment qu'on allume. Oh, le labyrinthe de l'enfer. Le truc du bébé. Et une nouvelle cassette. Bon, je sais pas vous, mais on va pas plus loin, on va aller écouter la cassette. De toute façon, j'ai pas de briquet. C'est là la nouvelle. I now fear for the baby. She has become obsessed with him. She says she can always hear him cry over the baby monitor, even when it's off. She has trouble differentiating him from the dolls in the house. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. I am horrified at the idea that she might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. I've got rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep a constant eye on both of them. The only time I can get some work done is when she's sedated. It feels like a nightmare. Donc si on doit lui refiler un truc, ça serait une poupée, hein, pour elle croira que c'est son bambin. Bon, gentiment, on va continuer à arpenter un peu le truc. Ah, il y en a encore un là. Ça serait bien qu'on retrouve un briquet, hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre monsieur? Ramasser. Vous avez trouvé une poche à perfusion. Marqué quoi de l'autre côté? Un seul couteau semble avoir été enlevé. Oui, donc il y a quelqu'un qui se balade avec un couteau. Je suis pas un grand spécialiste en enquête, mais c'est ce que je crois comprendre. Oh, vous pouvez faire quelque chose? Oui, je peux mettre des petits coups de marteau. Donc on a une poche à perfusion maintenant. Hein. La sauvegarde est désactivée pour le moment. Oh, mais bravo. Une question que je me pose, c'est pourquoi il fait tout si lentement, hein.
Si elle se verrouille, rien n'indique quelle clé est nécessaire. Pareil. Bon, dans mon bureau, en fait, c'est moi, hein, c'est moi qui suis mort. Hein. Enfin, c'est moi, c'est moi, c'est le bureau du mec, quoi. C'est Wayne, le papa, quoi. Oh, putain de ta mère, je me suis chié dessus. Sans déconner. Ouais, vraiment, c'était malsain, quoi. C'était super naturel. Oh la vache. Allez, allume. Putain, mais c'est quoi cette lumière qui n'allume que dalle? Là 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 là, je la vois encore, j'en ai encore peur. Pourtant, je regarde des films d'horreur, hein. J'ai que ça ici. Sans déconner. Non, 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 là j'ai la tête dans les dans la lumière là. Ah là 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 là, mon Dieu. Ça sert à rien qu'on retourne là. Mais d'accord. Allez, on se casse, hein, je sais pas pourquoi. Ah, il y a encore un miroir ici. C'est ici qu'on avait foutu une petite petite bougie, la bougie, hein. La fondue bien sûr depuis le temps. Quoi, quoi, quoi? Je devrais peut-être mettre le son un peu moins fort, mais bon. Ce serait moins efficace. On pouvait péter le sol, hein. On pouvait péter le sol. Il fallait courir, il fallait casser le sol. On va le refaire. Je crois que j'ai fait une sauvegarde juste avant. Ça devrait aller. Hein, c'est ça qu'il fallait faire. Foutu les jetons, là. En plus, pourquoi les cheveux si courts, là? C'est quoi l'idée, là? Un bon dé de vieux, déjà, hein. C'est louche. Mais d'avoir les cheveux courts comme ça, c'est quoi? C'est quoi le projet, on a envie de dire? Voilà, allez, on y va à fond. Avant qu'elle nous tue. Allez là. Oh mon Dieu.
Bon, à côté, Remother Broken Porcelain, c'est du pipi de chat, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, F5. La sauvegarde du pauvre. Oui, Broken Porcelain à côté, c'est du pipi de chat, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, comme ça, au moins, on est au clair. Parce qu'on l'a terminé. Difficilement. Hein. Failli casser la table en deux, hein, tellement c'était chiant. Bon, salut les gars. C'est la teuf ici. J'ai failli faire la petite blague, vous êtes en train de jouer au pendu, mais bon, je l'ai pas faite. Parce que j'ai pas envie de perdre plus de viewers que j'en ai. Y a un petit mot, il y a un briquet. Déjà, on prend le briquet. Au niveau bougie, on est comment? Allez, on prend les deux bougies. Putain, mais je vois mal mon... Je vois mal mon réticule. Allez hop. Et là le petit mot, qu'est-ce qu'il me dit? Vous avez trouvé un effrayant poème. Whirling in an... Whirling in an everlasting dream. A two-sided moon with clouded vision. Lies down innocently like its guilty shadow. Oui, pourquoi pas. Moi qui me faisais chier depuis le début du jeu à tout traduire, il suffisait de faire clic droit. Clic droit. Dans un rêve éternel, une lune à deux faces, à la vue nébuleuse, se tient innocemment près de l'ombre coupable. Alors, dans un rêve éternel, une lune à deux faces, à la vue nébuleuse, se tient innocemment près de l'ombre coupable. Dans un rêve éternel, une lune à deux faces, à la vue nébuleuse, se tient innocemment. Oui, d'accord. Pourquoi pas. On l'a gardé? Oui, si on l'a gardé, ça veut dire que c'est important. Bon, on va aller un petit peu par là. C'est par là qu'on est arrivé ou pas, les boys? Non, on est arrivé de l'autre côté. Ah, il y a de l'énigme là. Là, il y a de l'énigme. Il manque la manivelle. Elle va pas être ici, bien sûr, la manivelle. Ce sera trop facile. On peut pas se barrer par ici, ça serait bien, s'il vous plaît. Bon, le poème avec la lune à deux faces, j'imagine qu'il va falloir qu'on tourne des trucs pour que deux trucs se fassent face. Mais on n'a pas de... Le mécanisme est cassé. Bon, voilà, comme ça, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on entend? Je regarde quand même s'il n'y a pas la manivelle. Hein. Histoire de... Elle est pas là la manivelle. On l'aura bien sûr autre part. En même temps, si on regarde bien. Si on regarde bien un petit peu l'idée du truc. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? De toute façon, on le saura que quand on aura la manivelle. Ah oui, d'accord, ils étaient pas à leur coup d'essai, quoi. Ah ? Le dessin semble représenter la lune. D'accord. Lui, il a une lune. Tu m'étonnes que le jeu est difficile.
Il faut vraiment y aller, quoi. Entre les portes qui se ferment, les trucs qui grincent. Le sang ressemble à un crâne humain. Bon, de toute façon, il nous faut la manivelle. Hein. Je me doute bien qu'il va falloir tourner les pendus dans un certain sens. Mais pour le moment, il faut de la manivelle. Curieux, lui. Hein. Puis on va plus avoir de briquet. Non, il nous faut la manivelle, on reviendra. Putain, j'ai cru que c'était, il était pas pendu. Qui était pas pendu, lui. Alors, non, mais du coup, on est bloqué. On est condamné à réussir. Bon, bah, en même temps, c'est rassurant. Parce que ça nous oblige à se dire que la manivelle est ici. On est condamné à réussir. Attends, je vais relire le truc. Alors, il faut faire ça plus G. Non, mais attends, c'est quoi ce délire? Attends, ça, c'est faire. Et après, on clic droit. Dans un rêve éternel. Alors, une lune à deux faces. À la vue nébuleuse, se tient innocemment près de l'ombre coupable. Ouais. Oui, j'ai compris. Compris. Se tient innocemment près de l'ombre coupable. Bon. Bon, on remonte. Je suis comment là en résolution là? Oh, excusez-moi. Vidéo. Oui, je suis en 3000. Je suis en fenêtré, voilà. Élevé, t'es ta mère, à poil, tout bien. Correction gamma. Que sur la commode. Ok. Retour. Non, reprendre. Excusez-moi. Non, c'était parce que là je suis collé à l'écran et. Je voulais voir si la résolution était bonne. Enfin, si je pouvais faire mieux. Mais non, là je suis au max là. Je suis au max de mon PC. Bon, bah vous l'avez en 720p. Ah, mais elle est là la manivelle, c'est ça, c'est ce truc là. Ça ressemble à une manivelle ça. Je ne vois pas mon réticule, hein. C'est quand même fou. Il est tout blanc. Tout petit. Oh là là. Vous avez trouvé une manivelle. Bon. On avance. Mécanisme est cassé, oui, d'accord. Il est pas cassé le mécanisme, hein. Il manque la manivelle, oui, non mais d'accord. Attendez, F5. Bien sûr qu'il manque la manivelle. Ok. Ah, ça a ouvert la trappe. Ça a ouvert la trappe. Donc du coup, on a de la petite lumière ici. J'imagine qu'on... Ah, on peut remettre un coup de manivelle. Attends, déjà on va tout ouvrir. Pour se rendre compte. Oh, il va m'emmerder à chaque fois. Par contre, au niveau du gain. Au niveau des raccourcis des trucs, bon, j'aurais pu faire mieux. Hein. Enfin, je sais pas, moi je suis pas habitué à jouer. Je joue la manette. Hein. C'est pas intuitif, on va dire. Bon, j'imagine qu'il faut peut-être pas tous les ouvrir, mais bon, on va tous les ouvrir, puis on va les regarder en bas ce que ça donne. On va essayer de faire par élimination. Hein, le mieux, c'est ça. C'est de faire par élimination. Ah ben, il y en a un autre, là.
quoi, il y en a 6 en fait. Ah bah on y voit déjà un peu plus clair. On y voit un petit peu plus clair déjà. Voilà. Bien. Bon, j'imagine qu'il y en a qui va falloir qu'on referme, mais bon, on va s'en rendre compte en redescendant. J'aime beaucoup parce que c'est un jeu d'horreur et en même temps c'est un peu à la Myst, quoi. C'est les énigmes. Moi j'adore ça. Moi j'adore ça, les énigmes. Bon, là on a tout ouvert. 1, 2, 3, ouais, il y en a 6. Bon, on redescend. On va voir ce que ça... Que quoi de caisse. Déjà F5. Ah bah on voit mieux. C'est pas plus rassurant, mais on voit mieux. Bon, lui. Le dessin ne semble rien représenté du tout. Bon, alors lui, on pourra l'éteindre. Le sein semble représenter un œil. Le sein semble représenter une lune. Bon, bah la lune, ça c'est sûr. Le sein semble représenter un papillon. Ah, le dessin semble représenter une ombre. Donc celui-là, au bout à droite, hein, dès qu'on est dans la pièce, au bout à droite, une ombre. Et la lune, hein. On est bien d'accord. Mais c'est une lune à double face. Ben on peut refermer les autres, quoi. Ça, c'est un crâne humain. Et là, ça ne semble représenter rien du tout. Ok, bon. Et lui, là, on l'a pas fait. Et rien du tout, c'est parfait. Bon, alors, lui, là. L'ombre et la lune qui est là. On est d'accord. Et tous les autres, on les ferme. Ok, donc on ne spawn pas au niveau de la direction. Et pour ça, c'est très simple. C'est qu'on fait comme ça. Ta mère. Et voilà, 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 voilà. Donc il faut laisser celui au bout à droite. On referme celui-là. Vous allez voir, ça va le faire. On referme celui-là. On referme celui-là. 145 de QI. Hein. C'est le moment de s'en servir. Pour le moment, ça ne m'était jamais servi. On referme celui-là. Bon, l'autre, on le laisse allumer, bien sûr. J'ai du mal avec les touches de clavier. Hein. Je ne vous mens pas. Pas joué au clavier depuis vraiment. Mais vraiment, quand je vous dis que ça fait des années. Bah non, ça fait pas des années, puisque j'ai joué à The Witness. Bon, avant que ça fasse un truc qui fout les jetons, je fais une sauvegarde. Et j'ai fait The Witness, mais bon, The Witness c'était facile, au clavier. Mais bon, c'était pas facile au niveau de la tête par contre. Et on ferme celui-là. Voilà. Et bah on ferme celui-ci aussi. Je refais une sauvegarde du pauvre, hein. Je suis désolé. Hein. Allez, viens là mon coco. Voilà.
Et puis l'idée, c'est de refermer celui-ci aussi. On peut pas. Si on peut. Hein, vous ne pouvez pas utiliser ceci? Pourquoi donc? Parce qu'il est cassé. Bon, on va redescendre. Pour voir si notre petit stratagème a bien fonctionné. Avant, on refait une sauvegarde. Putain, mec. J'ai honte de faire des sauvegardes toutes les 10 secondes. Ah, on a pas... Non, c'est bien. Sauf qu'il faudrait fermer celui-ci, quoi. Non, c'est bon, on est bon, là, regardez. La lune. Une lune à deux faces, hein, par contre. Une lune. Et une ombre. C'était bien ça que le petit poème de merde... Pardon, le petit poème de nous disait. Ah, c'est vrai qu'il faut appuyer sur G en même temps. Et puis tourner le truc. Et puis faire appuyer sur le bouton de la souris. Dans un rêve éternel, une lune à deux faces, à la vue nébuleuse, se tient innocemment près de l'ombre coupable. Alors est-ce que dans un rêve éternel et la vue nébuleuse, est-ce que c'est des dessins aussi? Je ne pense pas. Enfin, je pense pas. Allez, comment on se barre? Arrêtez d'examiner. Voilà. Que l'idée, ça serait qu'ils soient que tous les deux allumés. Si le mécanisme est cassé pour celui du milieu, y a bien une raison. Ah, on peut peut-être le recouvrir avec ça. Ah voilà, on doit porter cet objet à deux mains. Putain. Ouais, alors, attendez, c'est G. Non, c'est H. Mais qui a foutu des trucs aussi cons, hein? Mais non, il me disait ça pour le. Franchement, le ridicule. Regardez, on le voit pas, quoi. On le voit absolument pas. Il y a pas moyen de faire un peu de forcing. Je clique, mais non. Non, parce que pourquoi attendez, regardez, les autres, si on essaie d'être pas trop con, les autres, ils ont pas de cache, ils ont pas de couvercle, je veux dire. Là, il y a un couvercle. Bien qu'on pourrait le prendre. Puis qu'on le replace là, puis comme ça la lune elle fait face à l'ombre. Voilà, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça que moi je vois les choses, pardon. Parce que quelle idée de mettre le couvercle? Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut pas... Ouais, enfin, on peut pas plus. Oh, ils peuvent grincer autant qu'ils veulent. Maintenant, ça me fait plus peur. J'ai déjà tapé la flip tout à l'heure. C'est bon. Je reprends mon maillet. Je lui mets un coup. Oui, ça fait absolument rien. Là, je comprends pas. Hein. Moi, je vais reprendre mon zippo.
Il y en a un autre qu'il faut allumer, mais voilà, il y a un autre dessin peut-être qu'il faut allumer. Mais j'ai pas bien compris les autres dessins. Puis je vous avoue qu'à chaque fois d'appuyer, putain, ça serait une manette, ça serait quand même beaucoup plus rapide. Qu'à chaque fois d'appuyer sur les touches, les boutons, le machin, le truc, avec la souris là, c'est super chiant. Non, mais c'est vrai. Là, par exemple, ça représente rien du tout. On est bien d'accord qu'on s'en fout. Hein? J'étais en train de... Je vérifiais si quelque chose avait changé, mais non, absolument rien. On va te coincer là pendant un petit bout de temps, j'ai l'impression. Ouais, l'ombre. Bon. En plus, le poème est assez explicite, il parle véritablement bien d'une ombre. Il parle véritablement bien de... mais d'une lune à deux faces, c'est ça qui me gêne. Et là, la lune, elle est pas à deux faces. Hein. Ah bah si, elle a deux faces. Et elle a un côté blanc, l'autre est noir. Mais ce qui me gêne, c'est que dans le poème, parce que c'est que c'est. Ah oui, c'est vrai, c'est G. Ce qui me gêne, c'est que dans le poème. Voilà, dans un rêve éternel, une lune à deux faces, donc on l'a la lune à deux faces, à la vue nébuleuse, bon ça on s'en branle, se tient innocemment près de l'ombre coupable. Elle est pas... bon, innocemment on s'en fout, mais elle est pas près de l'ombre coupable. Elle est là. On peut pas l'enlever le dessin? On peut pas. En fait, ça se trouve, les trappes nous permettaient juste d'identifier. Hein? Moi, c'est ça que je suis en train de me dire. Ça se trouve, ça permettait juste d'identifier. Et puis après, de. Elle doit se tenir juste à côté. Parce que là, elle se tient pas à côté, hein. On les a allumées toutes les deux. Mais bon, ça ne... En même temps, ils nous ont filé des bougies. C'est curieux qu'ils nous aient filé des bougies. Ils n'ont pas donné des bougies comme ça pour rien. Ah, ça donne envie de tout réallumer encore et de regarder. J'essaie de voir ce que... Puis des fois d'être trop intelligent, ça n'aide pas en fait. Faut être un peu con. Faut réfléchir connement. Tiens par exemple là. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un truc d'écrit. Peut-être qu'il faut allumer toute la rangée pour que... Il puisse se voir. Genre quand c'est marqué rien du tout. J'en sais rien. Elle nous l'a sortie. Là, j'ai tracé une. Ah, puis il suffit qu'il y en ait un qui bouge pour que je fasse une crise cardiaque là. Là, on est bien d'accord que quoi, c'est un papillon, voilà, on s'en fout du papillon.
On est bien d'accord, on s'en fout complet. Non, il y en a d'autres allumés. Se tient innocemment prêt, mais voilà, il est pas du tout prêt. On peut rien faire avec la corde, on peut pas couper ou quoi. Non, le truc du papillon, de toute façon le papillon, non, le papillon, faut oublier là. Papillon, faut oublier. Hein. C'est pas ça. Hein. Non. Il y a pas. À aucun moment il est question de papillon. Je suis désolé. Allez, on ferme. Allez, vous avez assez picolé là. On ferme. On rentre chez vous maintenant, madame. Non. Je veux bien en allumer un autre comme ça au hasard. Pour un petit peu me rendre compte. Hein? Voilà, par exemple. Parce que le fait que ça soit marqué, le dessin ne représente rien du tout, c'est comme si ça comptait pour du beurre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était pas grave. Oui, mais là c'est la mort, non. Dans le poème, il est pas du tout question de crâne humain. Non, il faut allumer celui d'à côté, mais pas le... On va éteindre le crâne humain, là. Et juste à sa droite, on va allumer le rien du tout. On en est là, hein. On tente ce qu'on peut. Alors attendez, parce que là, je me repère plus. C'est là, hein. Oui, c'est ça. Lui, on éteint celui-là. Attendez. Là, on a le machin. Voilà, on allume celui-là et on éteint l'autre. Voilà. On est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites dans le chat. Hein. J'en tiendrai pas compte. Hein, on est bien d'accord. Voilà, là normalement, si on n'a pas fait trop les cons, on a refermé la lumière sur le crâne. Voilà, c'est ça. Il ne représente rien du tout, voilà. Bon, ça c'est bon. Voilà. Alors peut-être qu'il faut allumer aussi l'autre rien du tout, qui se trouve exactement ici. Un œil. Ah putain, puis il y a des bruits là. On va allumer celui-ci aussi. Alors, il est simple, il est juste là. J'espère qu'ils vont pas me faire popper un truc dans le dos. Bah, on tente plusieurs choses, hein, vu que ça ne marche pas. De toute façon, moi je suis têtu, je suis normand. Hein. Je suis têtu, ça, je pourrais passer la nuit. Hein. Enfin, je pourrais passer ma vie, mais je vais pas lâcher. Ça paraissait tellement évident qu'il fallait mettre que l'ombre. Là, de vous à moi. Qu'il fallait mettre que l'ombre. Et la lune. Que le fait que ça ne marche pas. Là, on redescend vite fait. Mais je me dis qu'il faut rééteindre. Et puis, il faut absolument trouver un moyen de couvrir celui du milieu. Celui du milieu ne... Voilà, elle représente rien du tout, on s'en fout, quoi. Ces deux-là, on peut les bannir, quoi. Non, il faut trouver un moyen de fermer celui-ci.
On peut pas les bouger, on peut rien faire. Hein. Attendez, je vais regarder les autres. Au sol, il y en a pas un qui a un dessin? Essayons d'être pas trop con. Salut les gars. Vous auriez pas vu... un autre mec qui avait un dessin? Ça se trouve, il y en a un qui... Ça se trouve, il y a une saloperie où il y a deux dessins. Il y en a un qui est dans le dos. J'ai l'impression qu'ils sont sympas avec le briquet. Et le briquet, il marche plus longtemps que d'habitude. Non, non, il n'y a rien du tout. Mais lui, il est bizarre. Hein. Regardez comment il est pas vraiment pendu, d'ailleurs. Hein. Il a réussi à se braquer et mettre la corde sous le cou. C'est louche. Alors sinon, on a l'œil. Mais je vois pas ce que... Bah l'œil, tu veux l'œil qui voit... Bon, on le relie un coup, hein. On en est là, hein. Désolé, hein. Dans un rêve éternel, une lune à deux faces, ok. À la vue nébuleuse. La vue, l'œil. Se tient innocemment près de l'ombre coupable. Allez. C'est bon. Hein. La vue, l'œil, allez, c'est moi qui suis complètement con. Allez, comment on se casse? Allez. Donc il y a les deux là. Et c'est celui de gauche en éteint les deux autres. C'est ça, hein. Ça fait un L. Voilà, donc on est là. On est là. On éteint celui-ci. Heureusement que je sais me repérer, hein, parce que sinon on y passerait la nuit. Hein. On éteint celui-là. Ouais, mais évidemment il va me dire que je suis pas assez près. Attendez, voilà, je suis bien dessus là, c'est bon. Voilà, et celui-ci, et vous allez voir, c'est bon. Vous allez voir. Vous êtes prêts? Déjà, je fais une sauvegarde parce que là, c'est imminent. Hein. Le triomphe. Notre triomphe est imminent là. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu comment je suis fort? Putain, on a réussi. Hein. Il s'est passé un truc en bas. Hein. J'ai fait une sauvegarde. Parce qu'il s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. En même temps, je suis con, hein, parce que le coup de la vue, bon, ça m'aurait dû être... Ah bah, la chaise a disparu. Et on va pouvoir passer par là. Putain de ta mère. Là, j'imagine qu'il faut se baisser un petit peu. Bon, ça va, on n'a pas perdu un temps fou non plus. J'en vois qui se plaignent là sur le chat, mais ça va. Bon, on aura réussi à faire une de leurs énigmes. Et encore cette putain de pendule. Puis il n'y a jamais de récompense, que dalle. Hein. Le bruit de la télé. Ah oui, on est retourné à la salle de jeu là. C'est bien ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh là là, mon dieu. Déjà, moi je serais d'avis de mettre. Sauvegarde en cours. Moi je serais d'avis de mettre une bougie là déjà. Hein? Arrêter d'être con. Prendre. Voilà.
Attendez, déjà on éteint la téloche. Putain, je... Oui. Merde. Voilà. Putain, mais tout s'est éteint. Oh mon dieu. La bougie n'aura pas été suffisante, hein. C'est flagrant. C'était flagrant, pardon. Ah là 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 là. De toute façon, à chaque fois qu'il sauvegarde de par lui-même le jeu, je me dis Yangui Sourage. Ça fait vraiment penser à, je suis désolé, à Silent Hill 4. Hein. Je veux pas être mauvaise langue, mais... Bon, dès qu'on éteint la télé, ça se passe mal. Alors on arrête d'éteindre la télé, déjà. On va mettre que la bougie. Voilà. On va prendre le briquet. Maintenant, on sait jouer bien. Voilà. Voilà. L'idée, c'est pas se retrouver dans le noir. Voilà. Oh là 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 là. Oh non mais là je me chie dessus là. Mais de quoi l'ampoule? Comment voulez-vous que je retrouve l'ampoule? Oh là 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 là. Les médocs. Oh, le bras de la vieille, je m'en serais bien passé. Hein. Je vous mens pas. J'ai refait une sauvegarde. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais je me serais bien passé du bras de la vieille. J'ose même plus y aller. Voilà où on en est. J'ose même plus rien. En plus, j'entends respirer. Putain, merci. Oh putain.
À chaque fois, je perds 3 ans d'âge là. Tout à l'heure, j'avais les cheveux. Avant de jouer à ce jeu, j'avais les cheveux longs. Regardez maintenant. J'avais les cheveux longs, moi, avant de commencer à jouer à ce jeu-là. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu en une partie. J'avais les cheveux longs, ils m'arrivaient aux fesses. J'ai tout perdu en une nuit. Non, j'ai chaud là. Bon. On a vu qu'il y avait un miroir quand même, hein. Attendez. Quand on était là, on allumait la lumière déjà. Voilà, merci. Voilà, allez, on va aller directement au miroir. Tiens, on pourrait mettre une bougie là. Je sais pas pourquoi, les bougies m'intéressent énormément. Allez. Bon, allez, on s'en fout. On se prend des médocs. Voilà. Mais oui, mais bon, je veux bien, mais c'est super chiant. Oh putain, regardez ça. Elle est là, la vieille. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi ça fait du bruit là, comme ça? Qu'est-ce qu'on entend? Bon, je voudrais prendre une bougie. Ça me permettrait de la poser avant que la vieille arrive. Déjà, je fais une sauvegarde. Moi, je parle un peu plus fort, je sais. Voilà. On retourne ici. On prend le bricouze. On fait une sauvegarde. Ah, on est petit joueur là. Voilà. On se remet là. On refait une petite sauvegarde de merde. Et on aimerait bien, parce que là je trouve ça complètement ridicule, j'aimerais bien prendre le truc à deux mains. Pourquoi on est obligé de lâcher un objet? On pourrait le remettre dans notre inventaire. Ce serait quand même plus judicieux. Bon, je sais pas, il doit y avoir un moyen, mais moi j'ai trouvé qu'un moyen, c'est de faire comme ça. Attendez, il y a le moyen de le foutre directement dans l'inventaire. De gauche, ramasser, droit, ramasser. On peut pas le foutre directement dans l'inventaire? C'est complètement con. On a combien de briquets? En plus, on en a qu'un, on va le garder. On va le mettre là. On va le reprendre. Allez hop. On reprend l'échelle. On reprend l'échelle. On prend l'échelle. On aura quand même un peu progressé, quoi. Bon, fameuse chaise. À chaque fois, cette petite chaise, elle me fait penser à la vieille nana dans Resident Evil 7. Là, on peut interagir. Pas moyen de l'ouvrir à moins d'avoir le bon outil. Et bah attendez-moi le bon outil, je l'ai le bon outil, je te donne un coup de masse. Bon outil, qu'est-ce que c'est que un bon outil pour ouvrir une fenêtre?
Pas besoin de bon outil, faut le faire avec ses mains. Vache. Là on est venu pour rien. Bon, laissez-moi au moins me récupérer mon zippo. Putain, je le vois même pas, mon point. Ah oui, il est là. C'est vraiment, mais il est minuscule. Il y a pas dans les... Vous voyez, il est minuscule. Hier, je jouais sur mon petit écran, là. Là, je joue sur mon écran... Enfin, une grande télé, là. HD, là. 4K. Alors, effectivement, ça me fout... J'ai plus les jetons. Mais par contre, le réticule... Non, il faut le bon outil. Bon, d'accord. Donc, il faudra qu'on revienne. On a fait ça pour rien, quoi. Moi, je serais tenté de faire encore l'énigme des tableaux. Parce que le truc des pendules... bon, là, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Elle est toujours là? Non, elle est plus là. On en a pété quand même là des trucs. Putain. Pourquoi la porte se ferme? Jamais demandé qu'elle se ferme. On va prendre la bougie là. Déjà la bougie, on va la mettre là. Comment on fait déjà? Voilà, s'il vous plaît. Voilà, c'est très très bizarre hein, cette façon de... Voilà. Et on arrête le... On stoppe le zippo. Voilà, ça sera une porte, j'imagine. 5. Hein. Une petite sauvegarde. Je sais pas exactement à quoi servent les bougies. J'ai rapidement lu. Non, on laisse allumer. Voilà. Ben on va laisser le briquet ici. Pas de problème. On peut le casser ça? J'ai l'impression. Non. Bon, il est où mon briquet? Ah, il est là. S'il me baisse mon briquet, là... T'as récupéré mon briquet, là? Non, je l'ai pas récupéré. Non, il est toujours par terre. Voilà. Bon, y'a rien. On pourra mettre une bougie. Là, il y a toujours la flotte qui se barre. Là, voilà, là, ouais, d'accord. On va retourner où il y a la bagnole, non? Non, pas du tout. On retourne là où il y a le... Ah putain, on est là où il y avait la vieille. Oh la vache. Ah, il y a un autre miroir.
pour ça qu'elle nous empêchait d'y aller. Quelle saloperie. On pète ça et puis on y va. Sauvegarde en cours. Il est où mon briquet? Allez, reprends le briquet. Alors la vieille, tu fais moi la maline maintenant qu'on a peur. What took you so long, George? You know when tea time is, and yet you always find a way to be late. Were you in your study room again, scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more than me. I know you tire of me. Oh yes, I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just fine. I'm sorry, I'm just tired. Would you be a doll and fetch me some of my special tea? You know where it is. I'll wait here, George. Vous avez trouvé une clé ticket boîte à thé. Ah, mais ça s'est pas affiché. Ok. Vous savez quoi? Un petit... Ah oui, il y a des petits défauts de texture qui ont un peu de mal à arriver. Je croyais que c'était un zippo, non pas du tout. Vous devez porter un... Ok. On peut pas allumer, madame. Hein? Lumière tamisée, ambiance feutrée, d'accord, mais... On pourrait pas allumer un petit peu, madame? On peut pas ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? La boîte. Ah, il y a une cassette là. Ok. C'est un jeu, on a du mal à partir. Hein. Très très prenant. Hein. Très très bon. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ah non, non, elle veut absolument du thé. D'accord, d'accord, madame, d'accord. On va vous préparer ça. Il faut une clé pour sa boîte à thé. Attendez. Elle est où la clé? Comment on fait? Examiner G. Ah voilà, c'était pas affiché tout à l'heure, bordel de merde. Regardez. Ti. Ah, sa boîte à thé, c'est... Tout à l'heure, vous avez bien vu, c'était pas affiché, hein, bordel. Ti, c'est tout en haut, hein, tout en haut de la maison. C'est marqué quoi? From Johnny to you. De Johnny pour toi. Tout à l'heure, il y a eu un bug d'affichage. Le thé, il est dans le roof, il est dans le toit, quoi. D'accord, mais alors comment? On peut rien faire quoi, faut qu'on se barre. Non, on peut pas allumer, on peut rien faire. C'est curieux quand même qu'on puisse pas aller là. Non, elle veut son thé, elle veut son gamin, elle veut son thé. On peut pas avancer là, regardez. On peut rien faire, on doit se barrer. Il y a impossibilité d'aller plus loin là. C'est bloqué. Ouais, à bientôt. À bientôt, non, c'est pas Rose. Rose, c'est la voisine. On vite, allez, on se casse. On est trop, on n'est pas assez dans la lumière. Ah mon dieu!
C'est bon là, on a pris assez de lumière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment je fais pour... Si je fais clic droit. Hop. Là, on a plus le son du jeu. C'est pas grave. Voilà. Bon, on va... Je vais arrêter ici. Là, ça fait déjà 1h56. Je vais arrêter ici pour cette partie 2. Et je propose qu'on continue demain, bah pareil, à minuit, hein, pour la partie 3 de Visage. Tout en sachant que dans la journée, je fais du Dead Space 2 en mode, pas dur, mais comment ils appellent ça, survivant. Voilà. Bon, un jeu très efficace, hein, Visage. Très 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 bon. Je vais uploader la vidéo sur YouTube, là. N'hésitez pas à me suivre. Et puis voilà, très flippant, hein, quand même. Hein, c'est très très efficace. Là, hier, j'y ai joué sur mon petit écran. Là, je l'ai sur la grande télé avec le casque. Je n'ai de cesse de le répéter. Mais non, très 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 bon. Très très bon jeu. Bon, je vous souhaite une bonne nuit, hein, après ça. Puis faites-vous un bon thé. Allez, à bientôt. Tchuss.